Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo bonus parce que j'ai terminé Steel Rising et je vous montre du coup comment battre facilement les boss non principaux, c'est-à-dire les boss que l'on trouve dans les zones, comme ça qui ne nous donnent pas des échos pour les sarcophages. Et pour cela, il vous faut soit le pistolet de congélation ou alors les grenades de congélation pour pouvoir immobiliser vos adversaires et faire un maximum de dégâts. Donc, pour cela, il n'y a rien de bien compliqué. Vous regardez au-dessus de sa barre de vie, il y a un petit rond qui commence à se mettre en charge quand vous attaquez avec vos techniques de congélation, soit avec le pistolet, soit avec vos grenades. Et c'est ça qui va vous servir à savoir quand est-ce qu'il sera immobilisé. Une fois qu'il est immobilisé, vous faites votre attaque spéciale, votre attaque chargée, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut lui mettre sur la gueule. Et puis, vous verrez que le combat passera beaucoup plus vite, sera beaucoup plus simple, et vous n'aurez aucune difficulté à passer tous les boss non principaux de Steel Rising. Donc voilà, c'est la meilleure des astuces que je peux vous donner, hein, franchement, n'hésitez pas, sur toutes les munitions, vous en trouvez suffisamment pour pouvoir les faire tous de cette manière-là, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, peut-être pour un speedrun, ou peut-être si vous avez peut-être envie de, voilà, de recommencer le jeu en New Game Plus et ne pas vous emmerder avec cela, c'est la meilleure des techniques. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo bonus, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et moi je vous laisse là, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.